Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène chez moi dans un centre équestre un peu particulier. Enfin, en apparence, il ressemble à peu près à tous les centres équestres qui existent de par le monde, mais dans les faits, il est très différent. Il est en effet le deuxième au monde et le seul en Europe à proposer ce qu'il propose. Alors venez, on va en visite chez moi. C'est au cœur de l'Europe, en Belgique, que se situent les écuries des Coudriers, ce centre équestre wallon, tout à côté des frontières allemandes et hollandaises et à une centaine de kilomètres de Bruxelles, propose aux cavaliers des disciplines classiques. Mais ici, les enseignants ont la caractéristique de se remettre sans cesse en question afin d'assurer à tous une prise en charge efficace, adaptée aux besoins et aux désirs de chacun. Et c'est peut-être ça, sa qualité principale. Éduquer à la curiosité, à l'ouverture vers tous les types d'entraînement et d'approche, sans sectarisme, la seule exigence étant le respect du bien-être des cavaliers et des chevaux. Alors ici, dès le début de nos activités, en 2005, nous avons voulu accorder une priorité absolue au bien-être du cheval et faire comprendre à nos cavaliers que même si l'équitation était basée sur une tradition plus que millénaire, elle a 6000 ans, tout dans la tradition n'est pas bon à prendre. En effet, les connaissances scientifiques concernant le cheval, son bien-être, ses facultés d'apprentissage évoluent et il est absolument indispensable de se tenir au courant de ces nouvelles connaissances. Alors pour convaincre nos cavaliers de cette nécessité, nous donnons à tous nos enseignements une caution scientifique. La première fois que j'ai rencontré Patricia, c'était pour une interview, comme elle est aussi journaliste, et on a commencé à discuter un peu plus du sujet de la science et l'équitation. Et on voyait qu'on était un peu sur le même plan, que aussi chez Patricia et Marc ici, il y avait la volonté de continuer à apprendre et d'appliquer les connaissances qui existent. Et comme ça, on s'est dit, pourquoi pas collaborer. Un jour donc, il m'a été donné de rencontrer Marc Pierrard, spécialiste en éthologie appliquée du cheval, soucieux lui aussi de transmettre ses connaissances avérées et précises à tous les utilisateurs de chevaux. Il ne nous faudra que quelques rencontres pour décider de faire un bout de chemin éthologique ensemble. C'est ainsi que naquit le Belgian Center for Equitation Science, qui est en fait la prestigieuse étiquette apposée à l'une des activités des écuries des Coudriers. Ce centre, à vocation internationale, a pour but de favoriser une meilleure connaissance du cheval basée sur des faits scientifiques et s'adresse à tous ceux qui, de près ou de loin, sont acteurs de la filière équine. Je trouve que, comme scientifique, il ne faut pas simplement faire de la recherche, il faut que c'est disponible à tous les gens qui en ont besoin. Donc, il faut faire un effort pour traduire les connaissances très techniques d'une forme plus accessible et de trouver des moyens de les diffuser. Les activités du centre sont multiples, mais ont toutes le même but, traduire dans un langage clair et compréhensible par tous les résultats des découvertes scientifiques concernant le cheval. Alors notre cible, les amateurs et les professionnels, maréchaux ferrants, vétérinaires, palefreniers, notre vocation, l'enseignement. Des cours, stages, conférences, démonstrations sont proposés toute l'année au BCES à Aubel dans le but de vulgariser les résultats des découvertes scientifiques les plus récentes et de les mettre à la disposition de tous. Ceux qui souhaitent parfaire leur équitation, obtenir de meilleures performances tout en garantissant à leur cheval un entraînement et un mode de vie adapté à ses besoins trouveront ici les réponses à leurs questions. Ponctuellement, des activités de recherche sont aussi menées à bien au centre ou au départ du centre. Mais l'équipe du centre se déplace aussi. Ainsi, Marc Pierrard participe régulièrement, comme intervenant, à des colloques d'éthologie un peu partout en Europe. Et il n'est pas rare de nous voir prendre part à des manifestations équestres en Belgique ou ailleurs, afin de promouvoir nos activités. Mais la tâche est ardue, tellement le monde équestre est attaché à ses traditions. L'Australien Andrew McLean, cavalier et entraîneur international de renom, docteur en éthologie et inspirateur de notre centre, est déjà venu donner chez nous quelques stages. Il est bien conscient des difficultés que nous rencontrons. Absolutely, it's a really very good idea. It's the first one in the world, apart from our centre, where we train horses and we train people using equitation science. So this is it's a first for Europe. It's a very important thing because what we will see, and I have absolutely no doubt, is that in 50 years' time, there'll be many of them. So it's wonderful to be first. In 50 years?
years. Yeah. Well, I hope maybe 20. Yeah, we'll be dead. Mais restons optimistes. En Belgique déjà, grâce au travail d'Andrew et de Marc, l'équitation science a fait des émules au sein de notre police montée fédérale, par exemple, à la recherche de chevaux encore plus fiables. On voit les résultats, c'est sûr, assez rapidement. Ce que j'ai eu au départ, c'est que ça m'avait l'air assez sévère. Mais quand on a les explications, toute la théorie derrière, ben c'est tellement juste. Est tellement simple et tellement honnête envers le cheval que moi je suis adepte à 200%. Quoi. Notre but premier, c'est la prévention, car quand on monte plus juste, quelle que soit la discipline pratiquée, et qu'on aborde le cheval de manière appropriée, on évite les accidents et on obtient de meilleures performances. Tout ça en évacuant quelques-uns de nos réflexes inappropriés qui créent de la confusion dans le cheval, ralentissent sa progression et le rendent parfois dangereux. Le BCES, c'est le premier centre en Europe et le deuxième au monde où on applique et où on enseigne les principes de la théorie de l'apprentissage développée pour les chevaux par l'Australien Andrew McLean, cavalier, entraîneur professionnel, mais aussi docteur en éthologie. Car comment prétendre travailler, dresser un cheval alors qu'on ne connaît pas les mécanismes qui conditionnent son apprentissage ? Une étude réalisée par le professeur Franck Audeberg et le docteur Marie-France Buissou portant sur 3000 chevaux, hors chevaux de course, envoyés à l'abattoir, démontrait que 66,4% d'entre eux y étaient envoyés pour des problèmes autres que boiterie. On peut donc en déduire que s'ils n'étaient pas abattus pour des problèmes physiques, ils étaient pour des problèmes de comportement inapproprié. Or, les études le prouvent, un cheval est incapable de raisonner, de structurer sa pensée, de mémoriser comme l'homme le fait. Il ne peut donc pas être à blâmer pour les erreurs qu'il commet. La majorité des fautes commises en équitation sont imputables au seul cavalier. Many systems of horse training teach the horse, and they like the horse to follow your feet and to copy what you do with your feet. But scientifically, it's not a good idea because it's an unreliable signal. Because there are many times you want to move your feet. For example, to go to the other side to do the girth up. When you put him into the horse trailer, you lock him in and then your feet go backwards. You don't want him to be thinking always he has to copy your feet. La théorie de l'apprentissage développée pour les chevaux par l'Australien Andrew McLean vise à expliquer au cavalier comment fonctionne le cheval, comment il apprend et comment on peut interagir de manière harmonieuse et productive avec lui. Negative reinforcement is pressure release. Positive reinforcement is giving the horse something that it wants, such as caress or food. In both cases, after we release the pressure when he's done the right thing, or we give him food or caress. L'aboutissement de l'apprentissage est l'établissement d'habitudes, de réponses automatiques, pour l'apparition desquelles la violence et son corollaire, la peur, doivent être bannis. Ces principes devraient être connus et appliqués par tous ceux qui, débutants ou aguerris, approchent le cheval dans le cadre de leurs loisirs ou de leur profession. Because I want him to learn this very light aid of the rein, just be very light, I give the rein first because that's how we use classical conditioning. So I go light rein, tap, tap. Une mauvaise connaissance du cheval peut conduire à des déceptions, mais aussi à des accidents. C'est pourquoi nous proposons de recommencer le travail depuis le début, c'est-à-dire par exemple en observant le comportement du cheval en prairie. Car le cheval, en plus d'être une belle mécanique, est avant tout un être social terriblement différent de nous. Si on prend la peine d'observer le cheval, de voir comment il se comporte avec ses congénères, il devient relativement facile d'agir avec intelligence pour obtenir sans peine ce qu'on veut de lui. Il est scientifiquement prouvé que le mode de vie que nous imposons à nos chevaux est souvent à l'origine de comportements anormaux, voire même de maladies.
Et il est intéressant de constater qu'alors que l'homme moderne se flatte d'être un enfant de la science et de la communication, c'est aujourd'hui que l'on rencontre le plus de chevaux à problème. Un cheval heureux, dont le bien-être est garanti, est un animal dont les conditions d'existence se rapprochent le plus de son mode de vie naturel. Ainsi, le budget temps idéal du cheval se répartit entre différentes activités indispensables à son équilibre physique et mental. Alimentation, environ 15 heures par jour. Mouvement, environ 15 km quotidiens, approximativement parcourus en 2 heures. Et relations sociales. Hélas, pour la majorité des chevaux vivant en boxe, ces conditions sont loin d'être remplies. Avant de monter le cheval, il est primordial de lui enseigner quelques exercices de base et d'apprendre aussi à son cavalier comment les obtenir de lui. Il y a en tout et pour tout une dizaine d'exercices, c'est pas beaucoup, mais ces exercices sont à la base de toutes les manœuvres qui existent dans le monde équestre. Alors pour nous, parce que la chose nous semble logique, ces exercices, on commence par les travailler à pied. Des statistiques ont démontré que le cheval est l'animal domestique le plus dangereux. En effet, un cavalier tombe en moyenne toutes les 350 heures qu'il passe sur le dos d'un cheval. C'est 20 fois plus qu'un motard. Or, et ça aussi, ça a été démontré, 61% des accidents sont liés au comportement du cheval. Alors, pour repartir sur des bases correctes, en toute sécurité, commencer par le travail à pied nous semble le plus approprié. Les principes d'un entraînement correct, efficace et donc réussi, basé sur les principes de la théorie de l'apprentissage, sont au nombre de 8 et doivent être appliqués en toutes circonstances. Nous enseignons ces principes essentiels au cours de nos leçons, stages et formations, de même que les 10 exercices de base, appelés les 10 réponses opérantes, sur lesquelles se fondent toutes les disciplines équestres. Une fois que les exercices à pied ont été correctement intégrés par les cavaliers, le travail à cheval peut commencer. Alors tous les gestes parasites incompréhensibles par le cheval ont été évacués et une nouvelle communication peut voir le jour, plus juste, plus sûre, plus porteuse de résultats. Pour faire la différence entre 1, 2 et touc, c'est un autre signal. C'est la différence entre je tiens une pression constante pour 2 pas pour dire je veux une fréquence plus haute de tes jambes, ou je te donne un tout petit coup pour dire ce pied qui vient juste quitter, tu le mets plus loin. Une fois le travail à pied maîtrisé, les 10 réponses opérantes pourront être transférées dans le travail monté en respectant les 8 principes de base de la théorie de l'apprentissage. Il est essentiel que les cavaliers apprennent comment agir et réagir rapidement en n'utilisant que des aides précises, sans formuler plusieurs demandes parfois contradictoires en même temps, ce qui est source de confusion et de stress chez le cheval. Effectuer des transitions montantes et descendantes, allonger ou raccourcir les foulées, ralentir ou accélérer, reculer, déplacer les épaules au moyen de la reine directe et de la reine indirecte, déplacer les hanches, constituent les exercices de base de la théorie de l'apprentissage. Ceux-ci doivent être demandés soit par les rênes, soit par les jambes, ces aides n'étant jamais utilisées en même temps. Parce que les aides des mains et des jambes sont opposées, il est en effet impossible pour le cheval d'y répondre correctement si elles sont utilisées en même temps. En cas de non-respect de ce principe de base, nous pouvons le démontrer, les problèmes surviennent. Apprendre à apprendre à son cheval en soi n'est pas très compliqué. Le plus difficile reste d'accepter de se remettre en question. Mais les bénéfices de cette approche sont innombrables. Plus de sécurité, un meilleur bien-être pour le cheval et de meilleures performances. Alors pour vous aider à repartir du bon pied, que vous soyez amateur ou professionnel, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Le BCES vous propose donc, que vous soyez amateur ou professionnel, de découvrir les principes de la théorie de l'apprentissage ainsi que les résultats des découvertes récentes en matière de gestion et de bien-être du cheval et de tout ce qui découle de l'application de ce que l'on appelle l'équitation science par le biais de nos cours, stages, conférences, formations, une formule internat en dortoir ou chambre d'hôte étant envisageable sur place.
Les formations sont assurées par Marc Pierrard, éthologue spécialisé dans le comportement des chevaux et membre de l'ICES, International Society for Equitation Science, une organisation scientifique mondiale regroupant des personnes de tous horizons désireuses d'encourager une gestion et une utilisation des chevaux basée sur des faits scientifiquement prouvés et rendus accessibles à tous. Donc j'ai apporté un peu de littérature sur le comportement des chevaux et l'apprentissage, tout ce qu'on parle ici. Il y en a quelques-uns aussi déjà en français sur le cerveau du cheval, le comportement, l'entraînement. Si vous souhaitez améliorer votre relation avec le cheval, devenir plus performant dans votre métier, parfaire votre équitation, obtenir de meilleures performances en toute sécurité, tout en garantissant à votre cheval un mode de vie et de travail adapté à ses besoins, contactez-nous. Nous pouvons vous aider. C'est de la science, mais ça n'a rien à voir avec la science. Ça reste tout à fait au monde équerre, ou au travail avec les chevaux, où tout reste dans la logique du cheval. Il n'y a pas du tout de termes scientifiques qu'on ne comprend pas ou de vocabulaire élaboré. C'est vraiment à portée de tout le monde. Si vous souhaitez acquérir un cheval ou un poney et désirez mieux cerner son caractère, nous vous proposons de le soumettre à un test de comportement qui vous aidera à mieux évaluer ses qualités et défauts comportementaux. Nous pouvons aussi prendre en charge des démonstrations didactiques lors d'organisations équestres et vous aider lors de la résolution de problèmes particuliers. Le cheval qui a peur du tracteur ou de la tondeuse, qui ne veut pas monter dans le van, qui est particulièrement peureux ou récalcitrant. Nous sommes également susceptibles de vous proposer une série de lectures qui vous seront bien utiles au quotidien. Sachez qu'un cheval dont le bien-être est garanti par l'application d'une gestion et d'un travail correct jouira d'une meilleure santé et fournira des prestations de qualité supérieure, et pas seulement sous la selle. Des études ont démontré qu'en élevage, un tel cheval aura un taux de fertilité supérieur à un autre. Ce type d'approche est donc bénéfique pour tout le monde. Contactez-nous et vous en saurez plus. Voilà, nous espérons vous avoir convaincu. Alors, pour vous tenir au courant de nos activités, n'hésitez pas à consulter nos sites internet. Nous sommes là à votre service et à celui de vos chevaux, bien sûr.